Coucou à tout le monde et bienvenue aujourd'hui. Comme promis, je vous montre mes trois résultats, trois cartes que j'ai fait en jouant un petit peu avec mes nouveaux chouchous Distress Oxide. Je trouve ça c'est vraiment chouette et donnez-moi votre avis, ce que vous pensez. Est-ce que vous connaissez déjà la série Distress ou non? Moi, je suis vraiment, comme vous pouvez voir, en pleine découverte et je suis fan, de toute façon. Voilà, ma première carte que j'ai fait, c'était avec une carte qui vient d'une kit ou une pack de cartes de chez Action. J'ai bien aimé les dorés et avec le corail, c'est cette couleur-là. Candied Apple. Ça donne ça. Juste une couleur ici plus foncée et tout doucement ça rend c'est dégradé, voilà. Et je trouve, regardez, c'est tout doux le dégradé et ça j'adore. Je vous montre aussi l'outil que j'ai utilisé pour obtenir les dégradés. J'ai essayé aussi avec des éponges pour les doigts, avec des éponges make-up, mais j'étais pas satisfaite parce que ça me donnait toujours des taches des fois. Et du coup, j'ai découvert plein de gens qui utilisaient les brosses pour en fait du fond de teint. Je me suis acheté ça et ça marche. Nickel. Alors, si vous voulez essayer ça, ça marche super super bien. Et bonne chose avec les brosses, c'est que vous pouvez utiliser une brosse pour toutes les couleurs en les nettoyant après avec un morceau de tissu, un vieil tissu mouillé avec de l'eau et vous le brossez après sur votre morceau de tissu. Et ça sèche assez rapide et vous pouvez du coup utiliser ça pour tout de suite même pour une autre couleur. Et avec les éponges, pour chaque couleur, vous avez besoin d'une autre éponge. Et je trouve ça c'est plus oui pratique. Voilà. Alors on retourne sur mes résultats de cartes. Ma première carte, et j'étais déjà toute amoureuse d'ailleurs de cette technique-là. Et du coup, comme je vous expliquais aussi la dernière fois, les distress sont aussi destinés pour travailler avec de l'eau dessus. Ils réagissent avec de l'eau. Du coup, moi, jouer sur un morceau de papier, un grand morceau de papier, en utilisant deux couleurs. Et vous voyez comme c'est doux le rendu. Et j'ai mis des gouttes d'eau dessus. Tout simplement. Et vous pouvez regarder comme la couleur change avec de l'eau. Et c'est vous après qui décide, ok, à ce point-là, je veux plus, ça me plaît, le résultat, alors je enlève l'eau en mettant une essuie-tout sur votre papier et vous enlevez du coup de l'eau et ça arrête de changer la couleur. Voilà. Après, j'ai ajouté juste une morceau de carton gris derrière. Des fleurs découpées avec coloriées avec des marqueurs alcool et deux papillons, je les laissais exprès en blanc et noir. Je trouve ça c'est intéressant, j'adore. Et voilà ma deuxième carte, ma deuxième idée carte. Et la troisième, c'est celle-ci. J'ai mis une fond de carte, un tampon pour le fond de carte et je colorie juste là le petit coin. Je trouve ça c'est intéressant aussi. Et pour
fait plus effet. Je l'ai mis en relief, un petit peu en hauteur, avec les pâtes 3D. Et j'ai ajouté une morceau de papier qui est embossé avec des petits points. Vous voyez. Et c'est déjà, bien sûr, pour la fête des mères. Voilà, j'espère que ça vous donne plein d'idées aussi. Essayez les Distress Oxide. Moi, je suis totalement fan déjà. Et comme je dis, je vais essayer aussi les d'autres catégories Distress Ink de chez Tim Holtz. Je suis très, très, très curieuse. Et essayez ça. Ça, c'est super, super, super. Je vous conseille, je vous recommande. Et c'est tellement pratique. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois avec une nouvelle idée de carte. Bisous et au revoir.